Les gens le collent sur leur voiture, sur leur pare-chocs, fiers du champignon. Les champignons atomiques poussent partout, sur les t-shirts, les casquettes, les chaussettes. Vous pouvez acheter des sweatshirts avec le champignon, des bavoirs pour bébés avec le champignon atomique. La mascotte du lycée de Richland est un champignon nucléaire, et ça c'est vraiment fou. The people who were in high school at the time when the name changed from Beavers to Bombers, some people who were in that class say they changed it because of the dropping of the bomb on Hiroshima. Others say no, they changed it because of the B-17, the day's pay, which is a B-17. On arrive pour la première fois à Richland. Ce qui frappe, c'est la relation très particulière que la ville en... avec la bombe atomique. Richland est la ville voisine du complexe nucléaire de Hanford. C'est ici qu'on a produit le... One short story. We had a contingent from Hiroshima come to visit the community to commemorate an anniversary of that particular event. And, you know, they came to extend friendship and say, everything's cool now, you know, we've grown up, everybody's grown up, we understand. And the principal asked me to take this entourage on a tour of the campus at the high school. One of the members of the contingent was actually a survivor of Hiroshima. So we walked over to the gymnasium, which you probably saw, that was before the big airplane was up there. And they walked into the gym, and there on the floor was this huge mosaic mushroom cloud. They all stopped and just froze and just had this funny noise. You know, Japanese are very polite. You could hear just this, and there was this negative energy. We then walked into the big gymnasium, and of course you saw that also in the center of the floor. There was this huge mushroom cloud, and they all kind of... Plutonium de la bombe de Nagasaki. Nous sommes dans... des États-Unis, en plein milieu d'un désert dans l'État de Washington. Richland est une ville de 45 000 habitants où chaque famille a un lien avec l'industrie du nucléaire. On la surnomme Atomic City. En pénétrant dans le lycée de Richland, on reste un peu interloqué.
Le champignon atomique sert de mascotte aux élèves. L'équipe de football s'appelle les Bombers. Dans la région, les Bombers sont réputés imbattables. Quand je suis devenu le coach de l'équipe, on m'a demandé ce que j'allais mettre sur les casques. Je portais le champignon atomique sur mon casque quand je jouais ici. Et j'ai voulu revenir à ce que je connaissais. On a donc remis le champignon, en pensant que c'était une bonne chose. We shall continue to use it until we complete it.